Quand Carlos Chirine a décidé de monter La Cerisée, il avait certainement dans l'idée de montrer avoir un public de 2015 à Beyrouth quelque chose qui a été écrit il y a 115 ans. Et donc voilà, nous en sommes cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ok ? Bonne semaine. Mais tu viens un moment. C'est pas le manteau de la prof, ça? Oui. Madame! Elle est où la prof? Elle a oublié son manteau. Elle est partie? Ouais. Elle t'a oublié quoi? Je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Bon, bye, je dois aller. Regarde, c'est tombé de sa poche. L'entreprise Haroun achète le cirque de Beyrouth pour construire un lycée. Ça date de 65. Et pourquoi elle aurait ça dans ses poches? Makram, Isabelle, Mai. Elle n'est pas là. Ça fait une semaine, madame. Ah bon? Bon ben, je vous libère plus tôt aujourd'hui. Merci. Bonnes vacances de la Toussaint. Merci madame. Merci. Et happy Halloween. Merci. 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 On est le combien aujourd'hui? Le 30, pourquoi? 30 octobre 1965. C'est l'écharpe de May? Regarde ce que j'ai trouvé. Suite à la fermeture du chapiteau, une série d'enlèvements a eu lieu devant le grand lycée franco-libanais. Les agresseurs sont soupçonnés d'avoir appartenu à la troupe du cirque. Ils semblent opérer vêtus d'habits de cirque et attirent les enfants en leur offrant des ballons. Un appel de recherche a été lancé. C'est quoi ça? Viens, on s'en va. Vite! Fais quoi maintenant? C'est bon, ils sont partis.
Au moins ici, il n'y a personne. Yeah.